Les Juifs ont compris très très tôt, et pour des raisons qui sont simples à expliquer, qu'ils avaient tout à perdre de cette concurrence des nationalismes extrêmes qui est engagée avec la Première Guerre mondiale, tout à y perdre parce que ces mouvements de nationalisme extrême sont souvent empreints d'une conception de la nation qui les met en marge, qui les rejette. Bon. Qui les met en marge et qui les rejette parce qu'elles définissent la nation d'abord et avant tout comme une entité organique, comme un tout, lié souvent au Blut und Boden, comme on le dit en allemand, à la terre et aux morts, comme on le dit en français, et que dans ces conceptions-là de la nation, ils n'ont pas leur place, et qu'en réalité, ils comprennent que cette manière-là de définir les nationalismes en Europe, qui s'accompagne d'une remise en question en réalité du libéralisme européen et donc de la place que le libéralisme européen a fait aux Juifs, ils comprennent que ces conflits-là sont des conflits qui les menacent tout à fait directement et qui donc les poussent à penser une alternative à ces conflits, et l'alternative, elle est par le haut. Un certain nombre d'intellectuels juifs, enfin, en général, décrivent après la Première Guerre mondiale comme une catastrophe absolue, après avoir parfois adhéré, hein, complètement à cet élan patriotique des débuts, en y comprenant que c'est une guerre civile européenne. L'européisme politique est tout à la fois une façon de mettre un terme à la guerre culturelle qui avait eu cours pendant la Première Guerre mondiale entre la civilisation française et la culture allemande, mais également une façon aussi de dépasser les haines nationales et de refonder le libéralisme en dépassant les affrontements nationalistes. Une grande partie du personnel et des gens qui ont aspiré à une Europe intellectuelle, d'abord, et puis à une Europe tout court, politique, que ce soit entre les deux guerres ou que ce soit après la guerre, c'est bien évidemment des gens qui en avaient le plus souffert, c'est-à-dire des Juifs. Cet européisme politique est loin, très très loin d'être unifié. On le retrouve chez des intellectuels. Par exemple, Julien Binda, qui est d'origine juive et qui publie en 1933 son Discours à la nation européenne, évidemment qui fait référence au Discours à la nation allemande de Fichte en 1806-1807, et qui indique bien par là même hein, qu'il est nécessaire de dépasser les identités nationales et de se fédérer autour d'une identité européenne. On le retrouve aussi dans des institutions, par exemple, la Conférence internationale pour la coopération intellectuelle de la Société des Nations, qui est présidée à partir de 1922 par Henri Bergson, et qui œuvre donc au rapprochement des intellectuels des pays autrefois belligérants. Et puis on le retrouve dans des associations comme l'Union paneuropéenne, qui est fondée en 1926 par Richard Kudnov-Kalergi, qui avait publié 3 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, pardon, un essai intitulé Pan Europa, et qui appelle donc véritablement à une unification politique de l'Europe. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on étudie les adhérents eh bien, de l'Union paneuropéenne, eh bien, on retrouve beaucoup de juifs européens, en particulier d'anciens juifs de l'Empire austro-hongrois. On peut noter par exemple l'adhésion de Schnitzler, de Freud, de Einstein, et bien entendu, évidemment, le plus connu d'entre eux, de Stefan Zweig. L'esprit de Vienne, c'est aussi a beaucoup de parenté avec l'européisme. Stefan Zweig est né à Vienne en 1881, donc alors capitale de l'Empire austro-hongrois. Il entame une carrière littéraire qui va l'amener à voyager dans toute l'Europe, et même d'ailleurs au-delà de l'Europe, et à se construire un réseau d'amitiés intellectuelles, littéraires, extrêmement développé. Stefan Zweig a été profondément ébranlé par la Première Guerre mondiale. Dans un premier temps, son amitié avec Romain Rolland en a été affectée avant que tous deux ne reviennent au pacifisme et à l'internationalisme, mais dans une Europe qui se déchirait. Pour Stefan Zweig, l'entre-deux-guerres, c'est le temps d'une urgence. L'urgence de développer eh bien, un européisme politique qui sera la condition de son pacifisme absolu. Et donc, autour de ce projet, il va eh bien, parcourir à nouveau toute l'Europe et y discourir très régulièrement pour promouvoir donc ce grand projet. On a pu se poser la question des liens que Zweig pouvait faire lui-même entre ses origines juives et ce projet européiste.
Alors certes, Zweig était dans la première partie de sa vie très très éloigné du judaïsme, mais comme beaucoup d'intellectuels juifs européens, il connaît dans les années 1920 un profond mouvement de retour à ses origines. Il s'intéresse énormément à la littérature yiddishisante en plein essor en Europe centrale et orientale à cette époque-là. Et si l'on observe les motifs et les symboles qu'il utilise, alors pour défendre l'européisme, il utilise volontiers la tour de Babel, alors on pourrait dire que c'est un symbole universel et même sécularisé. Mais si l'on regarde le pacifisme, il publie tout de même une pièce qui s'intitule Jérémie. Et là, évidemment, la référence est aussi manifeste. Et dans Jérémie, ce qui est très intéressant de noter, c'est que son pacifisme est un pacifisme absolu, et il indique que la défaite est parfois préférable au fait de se renier soi-même. Et là, il me semble qu'à travers cette pièce, on peut poser de façon peut-être plus précise la question des rapports entre le judaïsme de Stefan Zweig et son projet pacifiste. S'ils sont européens, c'est pour créer un espace de paix et de tranquillité pour les juifs aussi. Les congrès de la paix de 1919-1920 constituaient en apparence un triomphe de la démocratie libérale. Or, celle-ci est en recul à peu près partout dès 1923-22-23 en Espagne, en Italie. Et donc, eh bien, l'européisme devient aussi un modèle qui s'oppose à ces régimes autoritaires et une réaffirmation de la démocratie libérale, mais à une autre échelle. En fait, Mussolini, d'abord, dit que le fascisme n'est pas un article d'exportation et il n'a pas d'ambition européenne. Si, il a des ambitions éparses à certains endroits, mais d'abord, c'est un mouvement italien. Et puis, comme il voit que le fascisme et mouvement autoritaire qui s'inspire de lui commence à essaimer, et puis surtout avec la concurrence qui s'établit avec Hitler, Mussolini commence à penser une Europe. Mais ce n'est pas une Europe, c'est une anti-Europe, c'est-à-dire c'est l'Europe contraire à celle des Koudenov, Kalergi, etc. D'ailleurs, la revue s'appelle Anti-Europa, qu'ils fondent. C'est une Europe fasciste, c'est une Europe marquée par l'international fasciste. On connaît un très célèbre texte de Carlo Rosselli, donc qui était juif, célèbre antifasciste, qui a été assassiné, qui avait écrit dans Giustizia e Libertà, justement, un texte sur européisme ou fascisme. Et il disait que l'européisme était le seul moyen de s'opposer au fascisme. Et puis, alors que les premiers projets concrets émergent au sein de la SDN, en particulier autour d'Aristide Briand et de ses travaux, et puis l'Allemagne sombre dans le nazisme. Et il est impossible pour un européiste en 1933 comme en 1949 d'envisager toute construction européenne sans l'apport de l'Allemagne. Et l'Allemagne est désormais en quelque sorte sortie de l'Europe. C'est une autre Europe évidemment que prône le nazisme. Et chacun sait évidemment le sort que le nazisme réserve aux juifs.